Hey, salut, première connectée. Hello. Je fais mes petites installations parce que c'est la première fois que je fais un live ici, dans ma nouvelle maison. Et du coup, je voulais tester un petit peu en avance. Donc, je vous laisse vous connecter tranquillement. Moi, je fais mes petits setups. Je vous laisse vous installer vous aussi bien comme il faut. Alors, je ne vais pas parler trop fort. Bien sûr, il y a tout le monde qui dort. Là, normalement, vous me voyez bien. Et j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de ne pas parler plus fort que ça. Pour vous, si tout le monde dort chez vous, ce serait bien qu'il n'y ait pas une folle qui crie dans l'ordinateur. Je vais mettre là. Alors, vous êtes 4. On attend un petit peu. 15 et puis on va commencer rapidement aujourd'hui hein, parce que bah, c'est le matin, on a toute normalement une matinée qui nous attend. Il faut se dépêcher d'aller se préparer le petit déj des enfants et tout, donc on va se dépêcher. Je mets mon timer. Alors dites-moi dans les commentaires les filles si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si la connexion est bonne ou pas. Voilà, que j'ajuste si besoin. Dites-moi. Hello, est-ce qu'ils viennent de se connecter? Salut. Salut. Bon, il est 15. Salut, ça fonctionne bien. Super Marine, merci de ton message. Ça va, vous avez la forme ce lundi matin? Est-ce que vous avez la motivation? En tout cas, c'est super de vous connecter. Bravo à vous. Comme je disais, je fais ce live pour essayer vraiment de vous aider à vous entraîner le matin. Je sais que c'est dur souvent, mais snooze, 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 et on ne se réveille pas, ou voilà, on zappe l'entraînement parce que c'est vrai que c'est dur de s'entraîner le matin. Mais voilà, mais là, je pense qu'avec un petit entraînement comme ça, ou c'est un petit rendez-vous hebdomadaire ensemble, j'espère que bah, du coup, ça vous motivera à le faire de manière un petit peu plus régulière. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais tout au début, on va se dépêcher, pas de blabla, on va enchaîner directement avec l'échauffement et on va commencer donc le cœur de l'entraînement rapidement. On va faire 5 exercices qu'on va réaliser pendant 35 secondes, on va prendre 10 secondes de repos, on va répéter ça 4 fois, ça va nous faire un entraînement de 16 minutes 40, okay, donc plus l'échauffement et tout, ça va nous faire aller un bon 25 minutes grand max. Besoin d'un tapis de sol, d'une paire d'haltères. Moi, j'ai des haltères de 2,5 kg. Je vous invite à prendre ça, 2 kilos. Minimum, c'est bien. Prenez les bouteilles d'eau si vous n'avez pas d'haltères chez vous. OK pour les femmes enceintes et les jeunes mamans, je vais vous donner les modifications au fur et à mesure du live. Et puis voilà, c'est tout. On va commencer par un échauffement parce que Solène, là je prépare les petits pour l'école, ben, bon courage Solène, il est très très tôt pour eux, les pauvres petits loulous, bon courage. Il sera dispo en replay de toute façon l'entraînement, donc vous pourrez le faire plus tard quand vous avez le temps. Et voilà, mais écoutez, c'est tout, je crois. Enfin, comme je dis, pas trop de blabla aujourd'hui, on va essayer de se dépêcher et de faire son entraînement tranquille, de se prendre une petite douche et après de réveiller les enfants s'ils ne sont pas déjà réveillés et de commencer la semaine au top. Bon, alors, on se commence, petit échauffement rapide, ok, mais très très important le matin surtout parce que voilà, le corps est encore bien endormi. Donc, on vient se faire juste des petits mouvements de tête en bas et en haut. Vous amenez vos bras en forme de T, une paume fait face au plafond, l'autre au sol, et vous tournez la tête en même temps que vous effectuez une rotation de vos bras, de vos paumes de main, okay, qui changent de sens. Donc là, c'est un très bon exercice pour échauffer sa colonne vertébrale, son cou. Allez, petit dernier, super. Allez, effectuez des grands cercles avec
vos bras. Hop, on ouvre la poitrine. Ça fait du bien, hein, ça doit tirer. Moi, je sais que ça me fait énormément de bien. Voilà, donc faites attention, hein. N'envoyez pas comme ça le haut de votre corps. Hop, tout reste bien immobile. Et c'est qu'une ouverture qu'on fait dans un sens et puis de l'autre. Super. Vous effectuez comme ceci des rotations. Et vous essayez d'étirer un maximum votre main. Allez. On expire. Quand on étire la main, on engage sa ceinture abdominale. Commence à l'activer. On sait qu'elle est là. On va bien l'activer sur tous les exercices. Super. Allez, petit squat. On descend. On pousse sur les talons. On commence à penser à son périnée qu'on remonte. Pas de pression vers le bas. Surtout les jeunes mamans et les femmes enceintes. Très important. Donc, allez. Continuez les filles, je regarde. Vous êtes pas mal à vous être connectées. Il y a des petits commentaires. Super, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, c'est top. Du coup, je fais aussi souris. Ah, ok, super. Allez-y, continuez les petits squats. Bon courage à vos petits babies. Bon courage, je sais ce que c'est. Moi, vous savez, là, j'ai peur. Je m'entends une pleurer parce qu'elle va dire, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pourquoi on en parle? C'est l'heure de se lever alors que non. Elle se réveille assez tard, normalement. Ok, allez, les filles. Petite fente. Comme ceci, un pas. Femme enceinte, généralement, vous pouvez vous aider d'un mur ou d'une chaise pour garder l'équilibre. Allez, angle à 90 degrés. On essaie de bien mettre le poids de son corps dans le talon. Et là, vous devez bien sentir les fessiers qui s'activent. On change de jambe. Allez. Super, dernier exo, vous écartez les jambes, orteil vers l'extérieur, et vous venez toucher hop, l'intérieur de votre pied, votre talon. Voilà, donc vous voyez, une jambe est tendue, l'autre est pliée, ça active les adducteurs, l'intérieur de vos cuisses. Vous pouvez envoyer l'autre main comme ça en l'air si vous voulez, ça continuera d'échauffer votre haut du corps. Quand vous tendez la jambe, il ne faut pas que ce soit un grand stretch. Hein. Vous êtes encore froide, pas de stretch important, on sent juste une petite tension. Hop, super. Ok, alors, on y va. Sous du lit, je vous rejoins. Super Cassandre, écoute, bienvenue. Je vous montre rapidement les entraînements, les exercices. Celles qui me suivent sur Instagram. Vous avez peut-être vu ma dernière petit entraînement express et en fait je me suis inspirée de ça. Donc on va faire celui-là qui est super bien. Je l'adore. Donc premier exercice, je vous montre. Vous prenez vos haltères ou vos bouteilles d'eau sur les épaules. Vous venez faire une fente comme ceci. Donc là on va commencer avec la jambe droite devant et jambe gauche derrière. Hop, un presse devant, au-dessus de la tête, deuxième presse. On remonte, on reste toujours sur la même jambe et on se fait fente et presse au-dessus de la tête. D'accord ? Deuxième exercice, squat rotation. Vous êtes là, squat, inspire et expire, pousse l'haltère au-dessus de la tête et reviens. Inspire, femme enceinte, jeune maman, pas de souci pour cet exercice. Ok, donc ce sera ça. Troisième exercice, on va poser un haltère au sol. Vous allez venir sur le côté de votre tapis de sol. Pareil, jeune maman, femme enceinte, pas de souci pour faire cet exercice aussi. Vous allez voir, attention avec votre ventre pour les femmes enceintes, mais vous gérez en fonction de la grosseur du ventre. Inspire, prépare, on descend. Donc là, toujours, on se connecte bien à son périnée, son abdominal engagé, dos droit. Hop, ensuite, on remonte légèrement, pas complètement. On monte son haltère devant. On revient, on se décale, un petit pas, on descend, on remonte, mi-parcours. Cet exercice, on ne remonte jamais vraiment entièrement, d'accord? Et là, ça va vraiment vous brûler
les jambes, c'est top, et ça vous travaille vraiment le haut du corps. Troisième exo, un petit peu cardio. Je monte d'abord, jeune maman, femme enceinte, mettez vos haltères de chaque côté. Jeune maman, femme enceinte, on s'en fiche, j'ai fait des haltères. Vous allez juste venir me faire ce qu'on a fait là à l'échauffement. Vous touchez vos talons. Hop, comme ceci. En alternant, jambes tendues, jambes pliées, en essayant de mettre bien le poids du corps dans le talon pour bien activer les fessiers et les cuisses. Ok ? Tout le reste, on va se faire des petits impacts. Donc, vous mettez vos haltères de part et d'autre de votre tapis de sol. Et vous allez venir faire des sauts comme ceci, à droite, à gauche, et toucher les haltères. Hop ! Voilà, c'est un petit exercice d'agilité, d'équilibre, en même temps un petit peu de cardio. Et c'est très sympa à faire. Donc vous allez voir au début, faites attention, vous allez peut-être perdre l'équilibre. On y va tranquille. Vous allez voir qu'après, vous allez pouvoir augmenter l'intensité. Dernier exo. Femme enceinte, jeune maman, vous me faites cet exercice-là. Vous prenez vos haltères comme ceci. Inspirez, gainez bien. Et vous montez de part et d'autre. Vous redescendez en contrôlant. Et vous alternez. Très bon exercice qui va renforcer le haut de votre corps. D'accord ? Toutes les autres, vous venez avec vos haltères en planche, comme ceci, bien droite, bien guinée. On inspire, hop, on monte l'haltère sous son aisselle, on repose, idem de l'autre côté. Et là, on vient toucher, hop, on essaie de toucher son pied opposé. D'accord ? On revient et on fait la même chose. Rowing, on touche. Et on touche. Ça va les filles? Allez, let's go. 6h24 à 50, grand max, on est fini. 6h40, non, même pas. À 40, on est fini. 42. Vous voyez, vous allez voir l'efficacité. C'est parti, je vais en timer. Dans 5 secondes, on est prête. Installez-vous. Tenez vos haltères. On est parti avec nos petites fentes. On se met au début du tapis de sol. On commence par la jambe gauche. Fente. Haltère ici. Presse. Pousse sur le talon, revient. On reste sur la même jambe. On changera de jambe lors de la deuxième série. Allez. Les femmes enceintes et jeunes mamans, si vous voyez que vous avez trop du mal avec l'équilibre, vous ne pouvez pas vous tenir, là vous avez des haltères, n'hésitez pas à ne pas mettre les haltères et vous faites juste vos petites fentes comme ça, tranquille, en vous tenant un mur si besoin. D'accord? Vous me voyez bien? C'est un petit peu... Ah, c'est mieux comme ça. Yeah, 25, c'est cool les filles. Allez, petit squat, rotation, haltères sur les épaules. Inspire, son abdominal engagé, on se connecte à son périnée, on descend, pousse sur les talons et rotation. On vient chercher, envoyer loin l'haltère. Allez. Inspire, expire. Ici, la sangle abdominale est engagée. Ok, je resserre mon transverse. Maman et femme enceinte, vous gérez l'amplitude, vous descendez un petit peu moins bas en fonction de la taille de votre ventre, en fonction de votre forme, en fonction de comment vous vous sentez, vous gérez, vous gérez tout ça. Sur le côté du tapis de sol, c'est parti, inspire, descend, les pieds sont écartés plus larges que la largeur des épaules, on descend tout en bas, on remonte. Allez, petit pas, descend, remonte mi-parcours, et expire, montez l'haltère au niveau de vos épaules. Je le fais de profil, regardez, mon dos est bien droit. Très bon exercice pour renforcer la sangle abdominale également. Donc vraiment faites attention à votre dos. Vous ne devez pas avoir mal au dos. S'il y a un problème avec votre dos, repositionnez-vous. Si vous voyez que vous avez toujours mal, j'installe les haltères. Hop. Là, il n'y a pas trop le temps de parler. Maman enceinte, jeune maman, vous vous souvenez? Bim, bim. Ok, les autres, on touche.
Allez. Là, je fais la version normale et puis j'aime la montre à mon sein. Je ferai comme vous au second tour. Je ferai la version. Allez. Essayez de bien descendre sur votre jambe, vous voyez, pour bien travailler vos cuisses. Essayez d'atterrir avec douceur. Là, on est totalement dans le mode d'essayer de réveiller personne. Donc, ce serait au moins, vous voyez, d'atterrir comme un gros patatrou, de faire du boulot et tout faire trembler. Donc, on y va mollo, tranquille. Ah, dernier exo, vous sentez le cardio là qui monte un petit peu. Maman, jeune maman, femme enceinte. Hop, vous souvenez, comme ça. Tout le reste. Vous venez sur planche. Rowing, hop. On touche le pied. Chien tête en bas. Moi, j'ai pas les haltères qui sont bien pour cet exo. Parce que j'ai des sangles. Je vais pas mettre les sangles. Hop, si vous avez des bouteilles d'eau, hein, vous mettez, vous enlevez vos mains de l'haltère quand vous faites votre chien tête en bas, quand vous touchez vos pieds, d'accord? Premier round, fini. Allez, on enchaîne avec le deuxième. Allez, cette fois-ci, on se fait la fente. Jambe gauche devant, on descend 90 degrés. Pousse sur le talon, revient. C'est parti. Femme enceinte, jeune maman, vous pouvez juste faire ça. D'accord? Si vous voyez que les presses, c'est trop dur pour vous. Et toujours, hein, bien penser ici, vous voyez, quand vous montez vos haltères, ici, votre sangle abdominale, elle est engagée. Vous ne laissez pas, vous voyez, partir comme ça vos hanches et votre bassin vers le dos. Donc, tout est bien gainé. C'est vraiment qu'un travail du haut de votre corps, de vos épaules. Ouh, allez. Squat rotation. Ça va les filles, vous sentez bien. Vous avez vu au début. Avant de commencer l'entraînement, on se dit mais non, on se trouve plein d'excuses. Et là, vous êtes dedans. Je suis sûre que vous ne regrettez pas. Je suis sûre que si on vous dit vas-y, arrête là, vous n'allez pas vouloir. Donc vraiment, ce qui est le plus dur, c'est de s'y mettre. C'est de ne pas écouter toutes les excuses qui peuvent nous traverser la tête. De ne pas écouter son snooze aussi, surtout son réveil. De ne pas être tenté. Il ne faut pas réfléchir. Il faut se lever. Il faut préparer sa tenue aussi à l'avance. J'espère que vous l'avez fait. C'est quand même beaucoup plus facile de se motiver et puis d'aller plus vite le matin. Donc n'hésitez pas vraiment, si ce n'est pas une habitude que vous avez prise, de préparer votre tenue à l'avance. C'est parti, on descend l'haltère, on essaie de l'approcher vraiment bien du sol, on remonte, et expire, on monte l'haltère. Hop, pas, on redescend. Donc ouais, prenez cette habitude de préparer vos affaires. C'est un petit tips qui permet de vous aider dans ce processus, de vous entraîner le matin sans trop de difficultés. Et puis pareil, de planifier vos entraînements. Vous fassiez des rendez-vous avec vous-même, vous voyez. Vous allez, le lundi matin, c'est l'entraînement avec Ludy. Le mercredi, pourquoi pas encore le matin ou le soir, mais mettez-le dans votre agenda et vous aurez moins de chances de l'annuler. Ok, on est parti. Les autres. C'est une tonification, perte de poids, vous sautez, jeune maman, femme enceinte, vous faites comme moi, écart, et vous venez toucher, hop, vos talons en envoyant le bras en l'air. Donc là, vous allez voir, si vous êtes enceinte, un gros bidon, vous n'allez pas pouvoir descendre trop bas. Donc vous faites vraiment en fonction de la possibilité de mouvement que vous permet votre ventre. D'accord? Mais toujours important, on a le dos droit, on essaie bien de s'étirer via le sommet de son crâne. Et puis on essaie de bien connecter son esprit à son talon pour bien activer l'intérieur des cuisses, et des fesses. D'accord? Dernier exo de cette seconde série, et on est déjà à la moitié. Venez vous installer.
Vous faites, vous savez, les roulis et chanter en bas touche-pied. Et nous faisons enceinte jeune maman. On vient effectuer la montée d'haltère. Donc pareil, on est bien ancré dans le sol. Inspire et expire. Montez les haltères jusqu'au niveau des épaules. Vous essayez de contrôler la descente pour maximiser le travail musculaire. Yes, super rapide. Allez, on a la moitié. C'est rapide, c'est express, c'est intense. On aime ça, c'est ce qu'on veut. On n'a pas le temps de faire plus longtemps. Fente, fente et on recommence avec notre jambe gauche devant, droite devant, pardon. Hop, presse, presse et on pousse. Bon, après, vous mettrez dans les commentaires hein, comment vous avez trouvé l'entraînement. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que ça vous a motivé à vous entraîner de bon matin? Est-ce que ça vous a apporté une mienne d'aide encore, en gros, ce live? Parce que c'est un test. Hein, je vais pas, je vais voir un petit peu voilà, si vraiment ça aide beaucoup de personnes ou pas, si vous êtes nombreux au rendez-vous. Si je vois que ça prend bien, je continuerai. Sinon, bah, on essaiera de trouver un horaire qui marchera peut-être mieux pour tout le monde. Mais vraiment, je prends à cœur cette petite heure, la 6h15, je trouve ça trop bien. Le squat, rotation, je trouve ça vraiment bien. Donc, j'espère que vous serez de la partie et que vous serez également emballés comme moi, je le suis. Après, on se dit, mais c'est bon, j'ai fait mon sport, mais 7h moins le quart, je n'ai plus besoin de faire. Ce soir, je rentre du boulot, je suis tranquille. À ma pause déjeuner, je peux aller me faire un petit lunch tranquille. Mon sport est fait. Et vous voyez, vous allez voir, là, vous allez avoir une belle d'enfer ce matin. Vous allez être trop, trop bien. Vous allez être plein de dynamisme. Vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Le petit café, là, que vous avez tant besoin, il y a moyen que vous en ayez un petit peu moins besoin. Donc, vous allez voir, il y a vraiment plein de bienfaits. On dépose un haltère au sol, on vient se mettre côté de son tapis de sol, pied vers l'extérieur, c'est parti. On descend, on remonte moitié, on expire, on monte l'haltère. Un pas vers le milieu du tapis de sol. Allez, pensez bien à la respiration, on l'accompagne. Hein. Pensez toujours bien à votre PMI. Là, je n'en parle pas trop parce que voilà, il y a plein de choses à... C'est express, j'ai pas énormément de temps. Donc pensez toujours bien, vous voyez, quand vous descendez, vous remontez, vous essayez vraiment de l'engager, de le remonter vers le haut. D'accord? Très important, surtout pour femmes enceintes jeunes hommes. En aucun cas, sur tout ce qui est squat, l'exercice où vous devez vous pousser, en aucun cas, vous devez sentir votre périnée qui pousse vers le bas. Vous devez sentir des fuites, des choses comme ça, mais c'est pas normal. D'accord? On en est au petit saut. Au petit saut cardio. Donc, femme enceinte, jeune maman, vous vous souvenez comme on vient de faire. Et les autres, on repart avec nos petits sauts. Droite-gauche. On essaie de tous nos haltères. On essaie de descendre bien bas sur sa jambe. Allez, respirez bien. Allez, vous pouvez augmenter l'intensité. Allez un petit peu plus vite. Hop. Le corps est un petit peu plus chaud maintenant, mais plus stable. Yes, vous pouvez augmenter tout ça. Super, les filles. Vous êtes toujours 25, je vois que vous êtes... Vous tenez bon, et c'est super. Dernier exo. Allez, tiro wing. Élévation latérale frontale pour les jeunes femmes enceintes. Toutes les autres, voyez, planche comme ceci. Droite. Et gauche en rowing. Hop, je lâche mes haltères. Je touche mon pied. C'est reparti. Quand vous faites votre rowing, essayez vraiment d'avoir un bassin stable. Vous voyez qu'il ne bouge pas trop à droite et à gauche. Il faut gainer un maximum pour optimiser l'efficacité de l'exercice. Super. Allez. Dernière série, les filles. Let's go, on y croit, petite fente, pied gauche, devant, ça va, allez, on prépare, inspire, on descend, hop,
repos sans revient. Et expirez bien. Je veux vous entendre expirer bruyamment. Vous m'entendez, moi? Et qu'est-ce que je fais pendant cette expiration? Je pense à ma sangle abdominale. Et quand je monte, mon ventre se durcit parce que j'engage encore plus mon transverse. Donc ça, c'est ce que je veux que vous fassiez toutes. Je veux que vous soyez bruyantes quand vous faites vos mouvements. Le fait d'expirer comme ça de manière plus prononcée, ça va vous aider à vous rappeler qu'il faut faire un truc, qu'il faut engager un truc encore plus. Et c'est sa sangle abdominale, c'est se connecter à son périnée. Alors là, sur cet exercice, on a plus de mal. On sent moins son périnée. Vous n'avez pas vraiment besoin. Mais attendez, il faut que je réfléchisse à l'exercice. Voilà, squat, rotation. Nous sommes bien. J'ai pas remarqué l'exercice, donc je ferai pas ça la prochaine fois. À 6h du mat. En parlant et tout, on peut. J'ai tendance à oublier. Et du coup, je me disais, voilà, pensez vraiment à expirer, voyez, inspire. J'expire bruyamment. Je sais que là, il faut que j'engage mon transverse. Alors que si vous êtes là, pas trop, vous voyez, vous respirez un petit peu bon en allant, vous oubliez qu'il faut engager quelque chose en plus, vraiment de manière importante. Donc je vous conseille vraiment, sur tous les exos comme ça, on active davantage la respiration. D'accord ? Allez, alter par terre, on se met sur le côté, on est proche de la fin. Inspire, descend, hop. Dos droit, hein. N'oubliez pas, hein. Très très important. Si vous voyez que vous avez mal au dos, et bien vous faites juste ça, vous n'élevez pas, ou sinon vous relevez complètement, vous positionnez bien, et vous effectuez la remontée. D'accord ? Hop, vous faites ça, vous remontez, comme ça. Pour tout le reste, si vous n'avez pas de soucis, hop, on descend, et on reste en squat, comme ceci. Yes, super. Allez. On se fait nos petits sauts. Hop. Petit saut, on touche talon pour les femmes enceintes. Jeune maman, c'est parti. On essaie de donner un peu plus d'intensité. On atterrit toujours avec douceur les filles. Si vous sentez qu'au niveau de votre genou, vous voyez, ça tremblote, vous êtes invincible, allez-y tranquillement. Ne vous excitez pas. Vous faites des choses un petit peu plus doucement comme ceci. D'accord ? Adaptez toujours en fonction de vos feelings, de votre situation. Moi, je suis là pour vous donner des options pour vous, pour sortir de votre zone de confort. Mais vu que je ne suis pas avec vous, que je ne connais pas vos spécificités, il faut que ce soit vous qui écoutiez votre corps et que vous adaptiez. D'accord ? Allez. Dernier exo, good news of the day, it's the end, up, rowing, on pose, up, up, n'oubliez pas votre bassin, essayez de ne pas trop le basculer, il bouge un petit peu, c'est normal, mais il ne doit pas balancer dans tous les sens, comme ça, non, il reste stable, et c'est vraiment qu'un travail, ici, de notre haut du corps. Et bien sûr, notre sangle abdominale. Oh oui. Écoutez, la fille, on est bon. C'est super. Alors, je regarde vos petits commentaires. Oh, vous étiez 24-25 pendant tout l'entraînement. C'est super. Bravo à vous. Je vais faire un décalé. Mon bébé a essayé de manger maintenant. Tout le monde. Écoutez, bah super. Félicitations Solène pour ton petit bébé qui a 2 mois. Je suis en plein dedans là. Super. Comment ça te plaise Delphine? Merci, ça fait du bien Claire. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous serez au rendez-vous si je refais ça la semaine prochaine ou pas? Dites-moi, ça sera super. En tout cas, là, ce que vous pouvez faire, donc, c'est boire. Hein. Ah, direct d'Hong Kong, super Bénédicte. Bah, parfait, ouais. Là, il est. Il doit être midi 42 à Hong Kong. I miss Hong Kong. Même si en ce moment, ça ne va pas être très marrant. Mais j'adore tellement cette ville.
Jamais testé le sport le matin, c'était top. Écoute, je suis ravie de peut-être t'avoir converti, Marine. En tout cas, bravo à toi d'être là. Super. Bah, écoutez, voilà, je vais voir, hein, mais normalement, je referai une séance du coup lundi prochain, même heure, 6h15. Je pense que c'est pas mal. Là, du coup, je disais bouteille d'eau, verre d'eau, hydratez-vous bien, ok? Laissez-vous un petit peu le temps de redescendre si vous transpirez. Vous pouvez prendre votre petit déj. Essayez de prendre un petit déj pas trop sucré, hein, tartine, confiture, beurre, on oublie. Essayez peut-être de prendre un porridge avec des flocons d'avoine, des œufs, de l'avocat. Enfin, voilà, quelque chose de pas trop trop sucré non plus, mais qui vraiment bah, vous apporte de l'énergie pour tenir toute la matinée. Et puis après, petite douche, bim bim. Et puis on y va, on commence notre semaine au top. Un thé? Ouais, carrément un thé. Thé, même café, hein, vous pouvez, hein, moi j'adore le café, j'ai trop besoin de mon petit café, même pas pour le boost, mais c'est que je kiffe le café, donc faites un café si vous voulez, hein. Et thé, c'est très bien. Bon, je vous laisse les filles, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, bravo à vous d'avoir été présente, et puis on se dit à très vite, salut salut!